بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالتلميذات وتلاميذ مستوى الثانية باكالوريا جميع الشعب العلمية في هذا الدرس الجديد بعنوان Étude complète d'une fonction numérique. Étude complète d'une fonction numérique. Cette fonction est de la forme f de x égale à racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Cette fonction-là contient une racine carrée et une valeur absolue. On considère donc dans l'ensemble des nombres réels R la fonction numérique définie par f de x égale à la racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Soit c'est f la courbe représentative de la fonction f dans un plan muni d'un repère orthonormé O, I, J. Le planning de cette vidéo-là, ou bien de cette leçon-là, et les suivants. Premièrement, domaine de définition de la fonction numérique f de x. Deuxième, parité. Troisièmement, domaine d'étude. Quatre, continuité. Cinq, limite aux bornes. Six, branche infinie. Sept, dérivabilité. 8. Déterminer la dérivée. 9. Variation de la fonction numérique f de x. 10. Tableau des variations. 11. Interprétation géométrique des résultats obtenus. 12. Position relative de la courbe. 13. Concavité de la courbe, CF. 14. Courbe représentative. 15. Fonction réciproque. Et enfin, 16. Courbe de la fonction réciproque. Dans cette première partie de cette étude-là, on va aborder les chapitres suivants. Domaine de définition, parité, domaine d'étude, continuité, limite aux bornes, branche infinie, dérivabilité. Et la deuxième partie commencera par déterminer la dérivée. Donc, on va démarrer par le domaine de définition. Déterminer le domaine de définition de la fonction numérique f. F de x égale à la racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Regardez ici que la valeur absolue, il est à l'intérieur du radical de la racine carrée. Et puisque la valeur absolue est toujours positive, quel que soit x appartient à l'ensemble R, donc le domaine de définition sera l'ensemble R. Et on l'écrit sous forme d'un intervalle df égale à moins l'infini plus l'infini. Parité. Étudier la parité de la fonction numérique f. Quel que soit x appartient au domaine de définition moins l'infini plus l'infini, on remarque que moins x aussi appartient au domaine de définition moins l'infini plus l'infini, puisque moins x est l'opposé de x. Et f de moins x égale à la racine carrée de la valeur absolue de moins x. Moins x. Ceci nous donne
f de moins x égale à racine carrée de la valeur absolue de x plus x. Et puisque f de moins x est différent de f de x, alors f n'est pas paire. La fonction numérique f n'est pas paire. Deuxième partie, quel que soit x appartient au domaine définition moins l'infini plus l'infini, moins x est aussi appartient au domaine de définition moins l'infini plus l'infini, et f de moins x égale toujours la racine carrée de la valeur absolue de moins x moins moins x. Et on sait que la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc ceci est équivalent à f de moins x égale à moins, on a mis moins en facteur, de moins racine carrée de la valeur absolue de x moins x. Et puisque f de moins x est différent de moins f de x, alors f n'est pas impair. Donc la fonction étudiée f n'est ni paire ni impaire. Domaine d'étude, écriture de la fonction f sans valeur absolue. Donc, écris la fonction numérique f sans valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc, on va remplacer la valeur absolue de x par moins x à l'intérieur de la racine carrée. Et on trouve f de x égale à racine carrée de moins x moins x. Ceci si x est inférieur ou égal à 0. Et on sait que la valeur absolue de x égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va trouver que f de x égale racine carrée de x moins x si x est supérieur ou égal à 0. Donc, on a divisé cette fonction-là en deux parties. La première partie, ou bien le premier domaine d'étude, c'est moins l'infini 0. Et deuxième domaine, c'est 0 plus l'infini. Quatrièmement, continuité. Démontrer que la fonction numérique f est continue sur son domaine. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a f de x égale racine carrée de moins x. Puisque la fonction racine carrée de moins x est continue sur moins l'infini 0, et moins x est continue sur moins l'infini 0, alors f de x égale racine carrée de moins x est continue sur moins l'infini 0, comme somme de deux fonctions continues. Deuxième partie, lorsque x appartient à 0 plus l'infini, on a f de x égale racine carrée de x moins x. De la même façon, puisque la fonction racine carrée de x est continue sur 0 plus l'infini, et la fonction moins x est continue aussi sur 0 moins plus l'infini, alors f de x égale racine carrée de x moins x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions continues. Limite aux bornes. Déterminer les limites aux bornes de la fonction numérique f. Donc, on commence sur la première partie, sur l'intervalle moins l'infini 0. On va déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de moins x moins x. On remplace x par moins l'infini. On va trouver ici plus l'infini. Moins moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite demandée, c'est plus l'infini. Car la limite de racine carrée de moins x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x égale à plus l'infini. De la même façon, sur l'intervalle 0 plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins x, on remplace x par plus l'infini, on va trouver plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc il faut enlever
cette indétermination. Donc la limite constante vers plus l'infini de f de x sera égale à limite constante vers plus l'infini de racine carrée de x moins x égale à limite constante vers plus l'infini. On va factoriser par x. Donc on va trouver x x maintenant. On n'a pas encore factorisé par x. Ici, on a mis racine carrée de x égale à x racine carrée de 1 sur x. Puisque x qui est à l'intérieur du radical, on peut l'écrire sous forme de x au carré sur x. Donc, on va trouver limite constante vers plus l'infini de x racine carrée de 1 sur x moins x. Ici, on a x, donc égale limite constante vers plus l'infini de x facteur de racine carrée de 1 sur x moins 1. Et ceci nous donne moins l'infini, puisque limite constante vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini, et limite constante vers racine carrée de 1 sur x moins 1 égale à 0 moins 1 égale à moins 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, la limite constante vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la limite constante vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Branche infinie. Étudier les branches infinies de la fonction numérique f. On va commencer sur l'intervalle moins l'infini 0. On va commencer par chercher la limite constante vers moins l'infini de f de x sur x. Donc ceci nous donne limite constante vers moins l'infini de racine carrée de moins x sur x égale plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc la limite constante vers moins l'infini de f de x sur x sera égale à limite constante vers moins l'infini de racine carrée de moins x sur x moins la limite constante vers moins l'infini de x sur x. Ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de moins x. On va trouver au numérateur moins x, puisque racine carrée de moins x, le tout au carré, c'est moins x. Et au dénominateur x, racine carrée de moins x, moins, ici, limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, c'est moins 1. On simplifie x par x, on trouve égale la limite constante vers moins l'infini de moins 1 sur racine carrée de moins x, moins 1. Et lorsqu'on remplace ici par moins l'infini, on va trouver moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc 0 moins 1, c'est moins 1. La limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1, car la limite de x quand x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine carrée de moins x égale à 0. On a trouvé donc la limite constante vers moins l'infini de f de x sur x égale à moins 1. On continue à chercher maintenant limite constante vers moins l'infini de f de x moins moins 1x. Ceci est égal à limite constante vers moins l'infini de racine carrée de moins x plus x. Moins x plus x c'est 0, donc égal à limite constante vers moins l'infini de racine carrée de moins x. On remplace x par moins x. On remplace x par moins l'infini, on va trouver racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins moins 1x égale à plus l'infini. L'interprétation géométrique de ce résultat, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins moins 1x égale à plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale à moins 1x au voisinage de moins l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini de la même chose, on déterminera la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ceci nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins x sur x égale à plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. De la même façon, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur x moins la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, c'est dit,
égale, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x, on va trouver x sur x racine carrée de x moins 1. X ma x, on simplifie, on trouve limite quand x envers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x moins 1. Donc ceci nous donne moins 1. Donc la limite quand x envers plus l'infini de f de x sur x égale à moins 1, car la limite de x quand la limite de 1 sur racine carrée de x quand x envers plus l'infini égale à 0. On continue. La limite quand x envers plus l'infini de f de x moins 1x égale à la limite quand x envers plus l'infini de racine carrée de x moins x plus x, c'est 0. Donc, ceci est égal à la limite quand x envers plus l'infini de racine carrée de x égale à tout simplement plus l'infini. Donc, la limite quand x envers plus l'infini de f de x moins 1x égale à plus l'infini. L'interprétation géométrique de ces résultats-là. La limite quand x envers plus l'infini de f de x moins 1x égale à plus l'infini. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction asymptotique à droite d'équation y égale à moins 1x au voisinage de plus l'infini. Dérivabilité au point d'abscisse 0. Étudier la dérivabilité de la fonction numérique f au point d'abscisse 0. Pour cela, sur moins l'infini 0, on va chercher la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ceci est égal, on remplace f de x par son expression. La limite quand x tend vers 0 moins de racine carrée de moins x sur x. On remplace son x par 0, on va trouver 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite quand x tend vers 0 à gauche de racine carrée de moins x sur x, dit moins la limite quand x tend vers 0 moins de x sur x, égale à la limite quand x tend vers 0 à gauche de moins x sur x racine carrée de moins x. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de moins x moins 1, puisque x sur x égale à 1. On simplifie x par x, on trouvera la limite quand x tend vers 0 moins de moins 1 sur racine carrée de moins x moins 1. Ceci nous donne moins 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins 1 sur 0 plus, puisque l'on a la racine carrée, c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Donc, la limite demandée, c'est moins l'infini, car la limite quand x tend vers 0 moins de moins 1 sur racine carrée de moins x égale à moins l'infini. Sur l'autre intervalle, 0 plus l'infini, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de moins x sur x égale, on remplace x par 0, on trouve 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 sera égale à la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x sur x, moins la limite quand x tend vers 0 à droite. Maintenant, on parle de 0 à droite. Moins la limite quand x tend vers 0 à droite de x sur x. Ceci est égal à la limite quand x tend vers 0 plus ou à droite de 0 de x sur x racine carrée de x moins 1. On simplifie x par x. On va trouver la limite quand x tend vers 0 à droite de 1 sur racine carrée de x moins 1. Ceci nous donne plus l'infini. Et plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc la limite demandée, c'est plus l'infini, car la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x égale à plus l'infini. L'interprétation géométrique des résultats obtenus. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a trouvé la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins l'infini. Donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point O d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0 qui est égale à 0.
Sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'interprétation géométrique du résultat limite constant vers 0 à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini. Donc la fonction f n'est pas aussi dérivable à droite de 0. Donc la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point O d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0 qui est égale à 0. Dérivabilité sur le domaine de définition. Étudier la dérivabilité de la fonction numérique f sur son domaine de définition. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, puisque la fonction racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 ouvert, et la fonction moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 ouvert, on dit 0 ouvert, puisqu'on a démontré tout à l'heure que la fonction numérique f n'est pas dérivable à gauche et à droite de 0. Donc, on a dit que la fonction moins x est dérivable sur moins l'infini 0. Alors, la fonction f de x égale à racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 comme somme de deux fonctions dérivables. D'autre part, sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque la fonction racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini et la fonction moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors f de x égale à racine carrée de x moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Voilà donc, on a terminé la première partie de cette leçon, étude complète d'une fonction numérique. La prochaine vidéo débutera avec la détermination de la dérivée de la fonction numérique f. Merci de votre attention et au revoir.